Bien, je vous propose d'enchaîner. Donc, après avoir été entré dans le plan numérique, je vais demander de vous exposer chacun, pour de relou qu'on gagne évidemment, c'est pas le problème, je crois qu'on peut rebondir les uns sur les autres au niveau des débats, sur la façon que vous avez pu mobiliser vos équipes autour d'un projet, du projet qui était développé au cœur de chaque établissement, sachant qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est peut-être de faire partager les difficultés, les freins et les leviers que vous avez pu mettre en œuvre à cette occasion. Donc, le plan numérique, on l'a fait le 8 septembre 2015, par la présentation au niveau de la pré-rentrée. Et puis, nous avons la chance d'être en réseau d'éducation prioritaire avec des temps de concertation dédiés. Donc, une partie des temps de concertation, en début d'année, ont été consacrés à cette mise en place, notamment dégager les besoins de formation des enseignants, parce que les besoins venaient quand même d'eux, d'étudier. De mettre en place des choix de ressources numériques potentielles. Donc ça, ça a mis un certain temps quand même, accompagné notamment par une enseignante avec un regard extérieur à l'établissement, Madame Deveau. Et nous avons eu des temps de vigilance, de mise en place des pratiques au sein des classes, avec ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Ce qui était absolument nécessaire, c'était, je pense, accompagner les enseignants qui, à un moment donné, ne pas leur donner cette impression d'être obligés, mais leur donner vraiment l'impression de prendre le temps de l'intérêt de l'outil, qui n'est qu'un outil, on vérifie. Et l'outil, il est utilisé par un humain, et selon l'humain qui l'utilise, ça peut donner tout ou rien. Donc l'intérêt de l'enseignant, il est renforcé dans cette histoire. Et c'était, moi, mon inquiétude, dans la mesure où on était désigné, c'était effectivement cette impression, surtout ne pas avoir l'impression d'être forcé. Donc donner le temps de s'emparer, le temps de réfléchir à l'usage qu'on va en faire. Vous avez dit à un moment donné, oser et se tromper, c'est pas grave, mais c'est oser et dire que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été choisi, ce sera bien, même si à un moment donné on se rend compte qu'il faut revenir dessus. Mais il fallait encourager et stimuler les équipes et c'était vraiment, ça a été vraiment ça la priorité, et donner le temps de rentrer dans ce projet. Donc ne pas demander tout de suite des résultats, ou ne pas exiger tout de suite, effectivement, que l'on puisse valoriser la chose, mais donner à chacun le temps de se l'approprier. Pour nous, ça a été la chose la plus importante, et aujourd'hui, en 2016, quand on voit là où on en est arrivé, des projets de l'utilisation de l'outil, de l'implication des équipes, je me rends compte que c'était vraiment donner du temps. Oui, en fait, la mobilisation, elle vient aussi par le projet commun. C'est-à-dire que, par exemple, dans le projet d'établissement, il ne faut pas qu'il y ait une partie numérique. Il faut que le numérique soit partout, dans tous les axes du projet d'établissement. Ça, c'est important, puisque quand un jeune enseignant arrive, il peut voir à travers le projet d'établissement les dynamiques du numérique dans l'établissement. Et effectivement, comme tu disais, il ne faut pas être dans la contrainte d'en dire « il faut faire du numérique ». Il faut vraiment accompagner. Mais je pense que la plupart du temps, les enseignants ne sont pas à dire « je ne veux pas faire de numérique ». On n'est pas dans cette… à quelques exceptions près. Mais sinon, on est plus dans « comment je fais ». Et c'est pour ça que je reviens toujours sur l'importance de la mutualisation, que les enseignants puissent échanger. Et finalement, contrairement aux autres… à l'autre collège connecté, on n'a pas eu beaucoup de formation extérieure. Le collège de Brel a été plus dans l'auto-formation. Et ça c'est quelque chose d'important. Malheureusement, nous n'avons pas, comme mon collègue, les temps de concertation. Ça, c'est pas quelque chose qui existe pour nous. Donc ça, il faut toujours s'arranger. Et bien, parfois c'est sur le temps du midi, parfois c'est le soir. On essaye de s'arranger comme on peut. Mais ces temps de concertation, effectivement, sont vraiment importants.
Le turnover des enseignants, soit en cours d'année, soit en année scolaire, début d'année scolaire. La passation, le fait de partager ce projet, il est porté par vous-même, bien évidemment. Et le rôle du référentiste dans chacun des établissements, il est majeur. Ah voilà. Oui, ça c'est évident pour moi. Le référentiste, c'est un acteur vraiment essentiel. Moi, quand je suis arrivé, je me suis beaucoup appuyé sur le référentiste. Notre métier se transforme effectivement dans le geste pédagogique avec l'élève, mais il se transforme aussi dans la professionnalisation, par exemple de sa veille professionnelle et de la manière dont on se forme à son métier au fur et à mesure. Les élèves se formeront tout au long de leur vie, c'est ce qu'on entend, mais je crois que le métier d'enseignant commence à évoluer tout à fait dans ce sens-là, avec des formes extrêmement, extrêmement variées. Donc, il faut qu'on arrive à se former à cette veille permanente, au partage de cette veille aussi. Et là encore, les référents numériques, qui n'ont pas la science infuse sur toutes les disciplines, sont en revanche des personnes qui peuvent accompagner ce développement professionnel sur la veille professionnelle. D'accord.